Bernard Hugo. Maintenant un titre de champion de France. Et encore au revoir. C'est un jeune qui a représenté Narbonne, qui l'a très bien représenté, vu qu'il est champion de France. Avant tout, le sport, c'est une école de la vie, et notamment la savate boxe française, avec des valeurs importantes. Merci à tous, merci à la Vive pour cette médaille, et merci surtout à mes entraîneurs, à Thomas, Thierry, Dédé, Thierry qui me suit depuis que je suis arrivé au club. Bien sûr, très content. Ça fait des années que je m'entraîne. Il y a des entraînements durs, c'est souvent compliqué. C'est bien au bout d'avoir le titre et puis d'être récompensé pour tout le travail. Ça fait toujours plaisir et ça donne envie d'aller encore plus loin. C'est un club qui est super convivial. On arrive à être sérieux dans les entraînements pour pouvoir progresser. Mais en même temps, il y a une super bonne ambiance. Tous les gens sont très sympas et ça encourage à continuer. Et vraiment, c'est super, une super ambiance. Il y a beaucoup d'investissements, pareil pour toute la famille qui viennent quand je combats et puis qui me soutiennent quand c'est un peu compliqué. Il ne parle pas beaucoup, très sérieux. Il écoute bien ce qu'on lui dit, il écoute bien les consignes. Et après, c'est quelqu'un de sérieux. Il a un gros caractère, c'est un hargneux. Un hargneux, je ne le montre pas comme ça, mais c'est un hargneux au travail, un hargneux sur le ring. Rappel de samedi dernier,